Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans les bureaux du Guide de l'auto. Aujourd'hui, on vous parle de notre petit dernier, le Guide de l'auto 2018. En vente dès aujourd'hui, vous pouvez le commander en ligne ou le trouver dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Et pour l'occasion, on a décidé de faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire de s'entretenir avec le rédacteur en chef du Guide de l'auto, le très cher Alain Morin. Salut Alain! Salut! Dis bonjour à tous nos amis du web qui nous regardent en ce moment. Bonjour tout le monde! Là, on est à ton bureau, on te dérange en plein travail. Est-ce que ça serait possible que tu nous parles un peu du guide 2018, nous faire un survol rapide de ce qu'on y trouve à l'intérieur? Bien sûr, un peu. As-tu 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes? Disons le plus rapidement possible, bien entendu. Mais... voilà, c'est le nouveau guide de l'auto qui est en vente depuis ce matin. On va le reviser vite. Alors, cette année, combien de modèles à l'essai pour commencer? 325, au-dessus de 325 modèles. 325 modèles, donc tous les modèles de l'industrie, là, on les retrouve dans le guide de l'auto. Exactement. Comme d'habitude, comme chaque année, on retrouve une section concept et véhicules à venir. Il y a aussi nos fameux... les premiers de... les meilleurs achats de chaque catégorie, oui. Les meilleurs achats de chaque catégorie. Et ça, c'est comme à chaque année, c'est le même processus de sélection rigoureux qui permet de déterminer quels sont les meilleurs achats. Exactement, avec des pourcentages qu'on retrouve dans les essais. Donc, des critères très précis, là. C'est les bonnes voitures qui se retrouvent au sommet de la catégorie, généralement. Au sommet de la catégorie, c'est les bonnes, oui. En général, oui. Il y a aussi nos matchs comparatifs. Et cette année, est-ce qu'on peut dire quels sont le thème des matchs? Là, on ne veut pas tout vendre les punchs, comme on dit, mais c'est quoi les... les hybrides rechargeables. Ah, les hybrides rechargeables. On avait 6 véhicules hybrides rechargeables. 11 VUS compacts. Ça, c'est une catégorie assez populaire. Mais ça, pour les gens, c'est Mazda CX-5, Toyota RAV4, Honda CR-V. Là. C'est vraiment la grosse catégorie. Là. Et on s'est payé la traite avec 4 bolides... les sportives, là, Honda NSX et compagnie. Corvette Grand Sport, Jaguar SVR, Nissan GT-R. Il y a aussi, en page couverture, on explique c'est quoi l'Aston Martin Valkyrie qu'on retrouve ici. En plus de ça, il y a naturellement nos essais normaux, mais il y a des dossiers, là. Les essais normaux. Un dossier complet sur la voiture autonome qui a été rédigé par un de nos collègues, qui est ingénieur. Alors c'est donc, les voitures autonomes. Wow. Oui, c'est la voiture autonome. Naturellement, tous les essais. Et cette année, qu'est-ce qui change dans les essais? Est-ce qu'on reprend les mêmes formules essentiellement ou il y a des nouveautés? On reprend la même formule que les autres années. Ça fonctionne, donc on l'améliore chaque année, mais ça demeure facilement la même chose. Donc là-dessus, on retrouve toutes les spécifications, les moteurs, les notes individuelles, les points forts, les points faibles. Exactement. Ce qu'il y a de nouveau en 2018. Petite nouveauté cette année, quand on a deux modèles par page, on a les spécifications de chacun des modèles. Aussi, à la toute fin, on retrouve un spécial Corvette. Écrit par Bibi. Et, par Bibi, tu veux dire toi, là? Par moi-même. Exactement. Voilà. Tu fais le portrait de toutes les Corvettes qui ont existé essentiellement? C'est l'histoire de la Corvette. Depuis 1953. Et tu étais à la rencontre de propriétaires, c'est bien sûr? J'étais à la rencontre de propriétaires qui ont pris de leur temps pour nous présenter ces Corvettes. Pour une séance de photos. Il y a aussi l'histoire de la Corvette avec quelques personnes très importantes dans l'histoire de la Corvette. Et voilà. Et là, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, c'est ça, le guide est disponible quand? C'est dès aujourd'hui, Est disponible? Dans toutes les bonnes librairies. Depuis 9h ce matin. Exactement. Donc, une autre belle édition. J'imagine que tu es content du travail de toute ton équipe, dont très je fais content. Partie, je tiens à dire. Oui. Et on retrouve les collaborateurs habituels, plus tous les autres qui sont ici. Alors, une très belle équipe. Oui, une belle brochette d'auteur. Regardez ça, comme on est joli. On est vraiment beau cette année. Je ne sais pas si joli est le bon mot, mais on est bon. On fait la job, comme on dit. On est bon. Alors, mesdames et messieurs, c'était Alain Morin, qui est rédacteur en chef du Guide de l'auto, qui nous présentait son dernier bébé. C'est ton combien de tiens, là? C'est mon 14e. 14e guide.
14e, oui, à temps plein. Avant ça, j'en ai fait 3 ou 4. Donc, voyez-vous, là, M. Morin, c'est ce qu'il fait. Alors, en vente dans toutes les bonnes librairies et en ligne, bien entendu, dès aujourd'hui. Précipitez-vous, allez l'acheter pour être parmi les premiers à découvrir quels sont les meilleurs achats en 2018. Merci.